mon premier constat et ma première satisfaction sur ce match, c'est que j'ai vu un groupe qui ne lâchait pas, qui n'a pas lâché, qui mentalement, puisqu'on a abordé cet aspect cette semaine, en vous disant que ça devait être le socle de notre sprint, ça devait être le socle de la base de travail, et ben voilà, grosse satisfaction à ce niveau-là. On va pas non plus, on va pas s'enflammer. On est 17e, on est dernier égalité, donc ça ne change pas. Mais encore une fois, j'avais demandé à mes joueurs d'avoir cet état d'esprit, et c'est pas facile. Vous jouez le deuxième du championnat, qui brille aussi sur la scène européenne. On n'est pas bien, et pourtant mes joueurs, encore une fois, n'ont pas lâché de la première à la 80, je ne sais pas combien. Et c'est ce que je veux retenir ce soir de cette prestation. Ce sera aussi notre, et je l'ai dit à mes joueurs dans le vestiaire, voilà, c'est le chemin que l'on doit suivre sur ces 12 dernières rencontres. Quand on regarde des stats, on mérite de marquer plus que l'adversaire, on a plus de duels gagnés que l'adversaire. Voilà, c'est un point qui n'est pas du tout immérité sur cette partie. Et c'est notre base pour la suite. Bien entendu, il y a eu des changements et ils ont été positifs sur ce match-là. Mais donc, voilà, ça c'est mon rôle, c'est mon job d'apporter, de les aider à avancer. Mais la base, voilà, la base c'est eux. La base, c'est ces duels gagnés. La base, c'est de défendre en avançant. La base, c'est de réduire les espaces. Et tout ça, sur ce match-là, c'est ma grosse satisfaction. C'est notre grosse satisfaction. Quand je vous ai parlé d'état d'esprit, je ne parle pas de 11 joueurs. Je parle d'un groupe, d'un staff. Moi, mon staff, il n'a pas lâché. Les joueurs, mais il y a Dylan Chambost, il était content. Il n'est pas rentré. Ça fait partie de cet état d'esprit. C'est des garçons qui n'ont pas lâché. Je vous parle de Sébastien Renaud, le gardien remplaçant, il est là, enfin il vit le match, et même Karim Azamoum qui est venu le premier dans le vestiaire, il était content, il jouera pas avec nous, enfin c'est super. C'est pour ça que cet état d'esprit, le fait de pas lâcher, c'est tout un groupe. Quand je vous disais que j'ai passé une bonne semaine à l'entraînement, la semaine c'est pas les 11 hein, qui l'ont passé, les 11 ils l'ont su hier s'ils allaient jouer ou pas. Donc c'est vraiment tout un groupe qui a ça, et je suis content qu'il y ait transcription, comment on dit, transfert, de ce qui a été des mots. Il y a eu premier transfert sur l'entraînement, puis deuxième transfert sur le match. Donc voilà, ça c'est ma satisfaction. Maintenant, il faut être capable, voilà, c'est notre base. Il faut être capable de le reproduire chaque semaine, chaque week-end.